important, c'est la rose l'important, c'est la rose l'important, c'est la rose, crois-moi. Madame Rivet, je les mets où les patates? Mais comme d'habitude, mon petit Marcelin, dans la cave avec les autres. Ah bah oui, c'est bon. Oh, non mais calme-toi, sinon ce sera pire. Allez, dans la cave, Marcelin. Voilà. Merci. Bonjour, maman. Oh, Lise, ma chérie. C'est gentil de passer nous voir. Thibaut est là? Ah non, ton frère est en stage chez Morand, l'architecte. Par contre, ton père est à la maison. Il faut dire qu'hier, il a eu une journée de fou. Alors aujourd'hui, il a décidé de faire agence buissonnière. Dis, tu as vu mes roses? Elles sont superbes, non? Oui, oui. Elles sont magnifiques. Oh, dis donc, toi, ça n'a pas l'air d'aller. Si, si. Voilà, c'est fait. Oh, mademoiselle Lise, bonjour. C'est madame maintenant, plus mademoiselle. Ah bon? C'est pas grave, mon petit Marcelin, je t'assure. J'aimerais bien être encore mademoiselle. Marcelin, tu veux bien aller ramasser quelques courgettes? Ensuite, tu les mettras dans le bac à légumes du frigo, tu seras gentil. Oui, je veux bien. Oh, au revoir, mademoiselle Lise. Madame Lise. Au revoir. Tu veux bien m'expliquer ce que tu as voulu dire par « j'aimerais bien être encore mademoiselle » ? Laisse tomber. Ça va, je t'assure. Allez, pas avec moi. Je te connais comme si je t'avais faite. Maman, c'est très drôle. Allez, viens un peu par ici et dis-moi tout. Allez. Ou plutôt non, ne dis rien. Je sais, tu t'es disputée avec Julien. Alors là, aucun risque. On mange avec Julien, on dort avec Julien, on se promène avec Julien. On fait des tas de choses avec Julien. Mais alors, attention, on se dispute jamais avec Julien. On dirait que tu le regrettes. Mais évidemment, c'est exaspérant. J'en ai assez, moi, de sa bonne humeur perpétuelle. Tout va toujours bien. Et c'est à chaque fois la même phrase. Ça pourrait être pire, il faut positiver. Moi, je ne vois pas ce qui te contrarie. Oui, ben... T'imagines pas ce que c'est énervant. Quelqu'un qui s'énerve jamais. Alors là, j'en ai entendu des bêtises dans ma vie, mais alors là, toi, tu viens de sortir la perle des perles. Et pourtant, c'est bien vrai. Jamais un mot plus haut que l'autre, toujours optimiste et en plus constamment aux petits soins. Bah de quoi te plains-tu? C'est un mari prévenant. Justement, c'est un mari. C'est bien ça que je reproche. Alors là, c'est toi qui as insisté pour qu'il t'épouse. Il ne se passait pas un jour sans que tu ne parles mariage. Et comme d'habitude, il a fait ce que je voulais. Et alors, c'est si grave? Mais bien sûr, ça prouve qu'il a aucun caractère. Qu'il est influençable et incapable de prendre une décision tout seul. Evelyn, le v'là habillé pour l'hiver. Oui, bah en attendant, notre vie est d'une platitude. Eh bien, fais quelque chose de grave, je sais pas, moi. Tiens, brûle son pull préféré, là, en repassant. Oh non, 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 prends un amant. Ah non, pire, emboutis sa voiture. Ah ça, les hommes, ça les rend dingues. Pourquoi tu me dis ça? Mais puisque ça te manque tant, eh bien, provoque-le, comme ça tu l'auras ta scène de ménage dont tu rêves. T'exagères tout. J'ai jamais dit que je voulais que ça en arrive jusque-là. Mais non, mais je sais pas, moi, une petite dispute, quoi, de temps en temps. Oh, mais qui je vois? Ma liseronnette adorée. Non, c'est trop contraire. Oh, allez, câlin. Oh, câlin. Que vous êtes niais, tous les deux. Oh, laisse-la se moquer. Elle est jalouse parce que j'embrasse la plus jolie fille du monde. Et la plus bizarroïde aussi, quand tu sauras ce qu'elle reproche à Julien. Ah, bah, désolé, tu me diras ça plus tard, parce que là, j'ai pas le temps. Tu pars? Oui, je dois aller au bureau. Oh non, tu m'avais dit que tu restes à la maison aujourd'hui. Ah, écoute, j'ai une affaire à régler, urgente et délicate. Je te rappelle quand même que Tournier est là pour ça. Bah Tournier, tu le connais. Il est incapable de s'en sortir tout seul. D'ailleurs, c'est lui qui m'a appelé au secours. Non, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Faut que j'y aille. Et ta cousine arrive tout à l'heure. Ah. Quelle cousine? Ma cousine Gilberte. Oui.
Ton père l'a invité pour la semaine. Ouais. Et vu le sujet de ses conversations habituelles, ça va être gai. Oh, quand même, vous allez bien trouver un petit sujet pour papoter, je suis sûr. Oh, ben, c'est sûr. Les propos d'une fille coincée, c'est passionnant. Oh, écoute, je ne l'ai invité que pour quelques jours. Eh bien, quelques heures m'auraient suffi. Oui, oui, bon, écoute, qu'est-ce que tu veux? C'est la famille, hein. Bon, bon, ben, j'y vais, mon liseron, à bientôt. Bisous, mon papounet. Allez. Mais fais pas la tête, ma chérie. Si je pouvais éviter d'y aller, tu penses bien. Ouais, bah en attendant, je me demande comment tournerait l'agence sans toi. Tournier bien gentil, mais tellement timoré. Oh, bah écoute, moi je suis comme Zorro, hein. On a besoin de moi et... Ça, j'arrive. Allez. Bisous. À plus tard. Salut, mon liseron. Vous êtes trop mignons tous les deux. Oh, mais Juliette, toi aussi, vous êtes très mignons. Mais reconnais que tu y vas un peu fort. Tu ne peux pas lui reprocher d'être trop gentil, quand même. Oui, c'est vrai, mais... Je t'assure qu'à la longue, c'est agaçant. Ça et tout le reste aussi. Le reste, c'est quoi encore? Il rince jamais la baignoire. Ouh. Et il y a plein de poils. Ouh. En plus, il laisse toujours la lunette des toilettes relevée. Et attends, écoute, hein, le fin du fin. Chérie, je ne trouve pas mon t-shirt, il n'est pas dans l'armoire, viens voir. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Bah, j'y vais. Et là, devine. Mais il avait le nez collé dessus. Ah, c'est sûr qu'à côté de ça, les grandes catastrophes de ce monde ne sont que des anecdotes complètement insignifiantes. Tu pourrais me comprendre. Eh bien non, je ne comprends pas. À mon époque, il n'y avait pas de période d'essai. On pouvait avoir des surprises. Mais vous, vous avez vécu ensemble presque 2 ans avant de vous marier. Oui, bah c'était pas pareil. Ah, je vois. Avant, tu ramassais ses poils avec amour. Et tu versais une larme émue en les jetant dans la poubelle. Maintenant, ce sont de vilains poils de mari que Bobonne a la corvée de ramasser derrière lui. Tu peux bien te moquer. Toi, t'es tombé sur papa. Mais il est comme les autres. Mais qu'est-ce que tu crois? Alors, en quelque sorte, il faut que je me résigne, c'est ça? Oh, les grands mots, tout de suite. Non, non. Résignation, non. Indulgence, oui. Bon, la bonne nouvelle étant qu'on en fait ce qu'on veut, quoi qu'ils en pensent. Tiens, un mari fréquente les amis que sa femme a choisis. Le beau costume dont il a tant envie, eh bien, il ne l'aura que s'il plaît à sa femme. Quant aux vacances, il ne les passera jamais à la montagne si sa femme préfère la Côte d'Azur. Même Napoléon a eu sa Joséphine. Ça, c'est vrai ce que tu dis. Oh, puis je l'aime, mon Julien. Oh, mais lui, il t'adore. Tiens, même enrhumé, emmitouflé dans une vieille robe de chambre, les yeux rougis, la goutte au nez, et même vieille et ratatinée comme une vieille pomme, là. Eh bien, il t'aimera toujours. Et tu vois, ça, ça vaut tout l'or du monde. Oh, je voudrais tant qu'on soit comme toi et papa. Mais vous le serez, j'en suis convaincue. Et puis, le temps arrange bien les choses. On devient moins exigeant, plus compréhensif. Et puis, on vieillit en même temps. On a des rhumatismes en commun. Tiens, avant le matin, quand on se levait, on se disait « Bonjour, mon amour. Tu as rêvé de moi, j'espère. » Maintenant, c'est « Comment ça va ce matin ?» Ton épaule, ton dos, ton genou, une checklist, quoi. Non, la passion a cédé la place à un amour plus profond, plus reposant. Enfin, fini les grandes scènes de ménage. Enfin, en même temps, je suppose qu'il n'y a plus de réconciliation sur l'oreiller. Ah, parce que tu crois qu'on ne pleut ? Bah si, figure-toi. Bon, c'est pas aussi souvent qu'avant, et il y a certaines acrobaties qu'on évite. Bon, enfin, en ce qui concerne ton père, parce que moi, je suis restée assez souple. Et il faut que je le sois, parce que lui, il est de plus en plus raide. Maman! Non, mais je parle de son dos, ma chérie! Oh! Oh! Tiens, ce n'est pas compliqué. Il faut envoyer sa demande au moins 8 jours à l'avance, avec accusé de réception, si on veut avoir une réponse. Maman, t'es pas croyable. Oh, j'entends une voiture. C'est la cousine qui arrive. Le taxi vient de la déposer. Eh bien, tu vois, elle n'a jamais ramassé que ses propres poils. Mais elle est seule. Je vais l'aider pour ses valises. Allô? Ah, Tournier. Vous voulez parler à Hubert? Mais il n'est pas là puisqu'il est à l'agence. Non, mais c'est vous-même qui lui avez demandé de venir. Il est sûrement dans son bureau, allez voir. Ah, vous l'avez trouvé. Eh bien, vous voyez. Bah, vous êtes sacrément distrait. Au fait, passez-le-moi.
vous ne pouvez pas? Ah, il est déjà en ligne. Ce n'est pas grave. Dites-lui seulement que sa cousine est bien arrivée. Oui. Non, ce n'est pas grave. Au revoir, Tournier. N'importe quoi. Tournier perd la tête. Il demande après ton père alors qu'il est dans le bureau d'à côté. Oh, oh. Alors, le trajet s'est bien passé? C'était épuisant. Ah. Heureusement que je viens pour me reposer un peu. Votre domicile est à combien de kilomètres déjà? 24. 24? C'est bien ce qui me semblait. Quelle aventure! Oh, et de plus, le taxi était vraiment très inconfortable. Ça m'étonnerait, c'était une grosse Mercedes. Ah. Bon, moi j'y vais. Au revoir, cousine Gilberte. Oh, tu pars déjà? Eh bien, je ne t'aurais pas vu bien longtemps. Bon, je t'accompagne jusqu'à ta voiture. Allez. Oh, bah dites-moi, après un pareil voyage, j'aurais pu avoir un accueil un petit peu plus chaleureux, il me semble. Madame Rivet n'est pas là? Ah non, 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 non. Non mais c'était une honte. Elle est belle, ma courgette. Ah oh mais je vous en prie. Vous pouvez la tenter. Elle est bien ferme. Oh, doux Jésus, Marie-Joseph. Allons bon, elle est passée où? C'est la dame qui était là que vous cherchez? Oui, mademoiselle Gilbert, c'est la cousine de mon mari. Ah, elle est partie par là. Ah, par là? Non, par là-bas. Par là. On aurait dit qu'elle avait le feu au... On aurait dit qu'elle avait peur. Peur? Mais peur de quoi? De mes légumes, peut-être. Des légumes? Marcelin, l'on ne dit pas n'importe quoi. Va me ramasser quelques haricots, ensuite tu pourras rentrer. D'accord. Cet après-midi, je reviendrai pour enlever la mauvaise herbe. Très bien. Il y en a plein dans les salades. Très bien. Très bien. Bon. Eh bien, je n'ai plus qu'à lui apporter ses valises. Il est parti? Qui donc? Mais enfin, l'espèce d'énergumène qui était là! Vous voulez parler de Marcelin? Oh! Je ne veux surtout pas connaître le nom de cet individu, mon Dieu! Quoi? Et un individu bien peu convenable! Bon, Marcelin, c'est une crème! Il m'aide pour le jardin, moi ça me rend service et lui ça lui fait du bien! Il m'a tenu des propos déplacés! À vous? Mais à moi, parfaitement! Oh, vous avez sûrement mal interprété ses paroles, j'en suis sûre. Oh. Il est un peu simple, mais très gentil. Oh, ben c'est ce que vous croyez. Mais enfin, que vous a-t-il dit exactement? Mais il est hors de question que je répète de telles horreurs. Oh. Je vous prierai de ne pas insister. Bon, comme vous voudrez. Eh bien, venez vous installer. Oui, c'est cela. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais enfin, mais ce sont mes provisions. Vos provisions, mais de quoi? Ben écoutez, je ne consomme que des biologiques. Toute cette nourriture frelatée de supermarché, je n'en veux pas. Mais ce sont les légumes de mon jardin, la viande de chez mon boucher, quant au pain... Ah, ça je ne veux pas le savoir. Chez moi, je mange sain, et il est hors de question que je me détraque l'estomac ou l'intestin pendant mon séjour chez vous. Je vois. Je dis pas ça pour vous vexer, bien entendu, hein. C'est une évidence. Et surtout, il ne faudra rien changer à vos habitudes. Par contre, je vous demanderai de me préparer mes petits plats à pain. Ce sera avec plaisir, ma chère Gilbert. Bien, 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 bien. Je m'en voudrais de te faire éclater la voyasse, vieille tordue. Pardon? Je disais, il faudra que je le fasse, bien entendu. Allez, un peu d'énergie. C'est pour la semaine.
Tiens, salut papa. Ah, salut Thibault. Dis donc, je te suivais. Je t'ai fait des appels de phare, mais t'as rien vu. Tu me suivais? Mais qui c'est qui t'a dit de me suivre? Calme, personne. Je reviens du cabinet d'architecte. Quel architecte? Ben, Morand, mon stage. Ah oui, ton stage. Ouais. Ah oui, oui, excuse-moi. C'est qu'on a beaucoup de travail à l'agence en ce moment. Et là, tu vois, j'en reviens. Et là, tu reviens directement de l'agence? Oui, oui, tout à fait. Et pourquoi tu prends cet air abruti? C'est-à-dire que quand je te suivais, t'étais sur la rocade sud. Et c'est pas le chemin. Pas le chemin. Tu veux que je te dise? Moi, j'en ai marre de la rocade nord. Le nord, toujours le nord. Alors aujourd'hui, j'ai pris le sud pour changer. Bah oui, mais c'est carrément à l'opposé. Oh, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Est-ce que je te demande pas où tu reviens, toi? Bon, c'est quand même pas à mon âge que je vais justifier de mon itinéraire. Oh, c'est un monde. Oh, les jeunes, aujourd'hui, incroyable. Oh, Hubert, tu es rentré. Ouais. Heureusement, parce que... Oh, mais toi aussi, mon grand, tu es là? Alors, et ce stage, ça se passe toujours aussi bien? Ah oui, on travaille sur le projet de lotissement. Il m'y associe complètement. C'est top. Oh là 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 là, on est très fiers de toi, mon chéri. N'est-ce pas, Hubert? Oh là 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 là. Hein, quoi? Tu es complètement dans la lune, Hubert. Mais non, 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 quelle idée. Non, vraiment? Comment trouves-tu ma nouvelle robe? Bien, bien, très bien. Bien. Elle n'est pas trop courte ou trop décolletée? Non, non, c'est parfait. Parfait. En effet, d'autant plus que je suis en jogging. Et tu n'es pas distrait avec ça. Tu es sûr que tout va bien? Tout va pour le mieux. Ouais, ben je ne peux pas en dire autant. Ta cousine est une calamité. Ben pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle accuse Marcelin de lui avoir fait des avances. N'importe quoi. Ah, ça, je te le fais pas dire. Non, mais c'est sûrement son célibat avancé, là, qui la travaille. Et de plus, elle s'est amenée avec une valise pleine de nourriture. Pour nous? Mais non, pour elle. Des aliments issus de la production biologique, uniquement. Il paraît qu'ici, elle risquerait la colique et l'indigestion. Bref, elle a déclaré la guerre à notre malbouffe. Ouais, enfin, il reste qu'une petite semaine. Non, 7 jours interminables, tu veux dire. Mais quelle idée tu as eue? Bon, enfin, c'est quand même pas la mer à boire, hein. Non, c'est la cousine à se farcir. Et à l'agence, ça va? À l'agence, oui, ça s'arrange. Doucement, hein, ça s'arrange doucement. Mais... Ouais. Oh, tu sais, l'immobilier, c'est plus ce que c'était. À propos, Tournier est complètement à côté de ses pompes. Bon. Il t'a appelé ici alors que tu étais dans ton bureau. Tournier, il a appelé ici? Oui. Ici, là, tu veux dire, chez nous? Bah évidemment, quand je dis ici, c'est ici, quoi. Mais il est distrait quand même pour pas t'avoir vu, non? C'est un grand malade. Ah bon? De la mémoire. Il m'inquiète. C'est d'ailleurs pour ça que je passe beaucoup de temps à l'agence, tu comprends? Hein? Et il y a des matins, et ben, il y a des matins, il se souvient plus du tout de ce qu'il a fait l'après-midi, alors tu te rends compte? Ce serait pas plutôt l'inverse? Quoi? L'après-midi, il ne se souvient plus de ce qu'il a fait le matin. T'as dit l'inverse? C'est possible. Oh, mais c'est parce que ton père est surmené. Oh, mon pauvre chéri, j'imagine que c'est un souci. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire, mais enfin, bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Et moi qui en rajoute avec ta cousine. Bah, heureusement que tu es rentré déjeuner, parce que moi, je ne sais pas quoi lui raconter. Bon, allez la prévenir que nous passons à table dans une dizaine de minutes. Ok, ça marche. Allez, va voir. Non, là, je réponds. Va voir la cousine, toi, tu la connais pas. Va faire connaissance avec la cousine. Allô? Ah, c'est toi, Malison? Oui? Oh, bah alors, si tu as peur. Mais bien sûr, voyons, ça va nous rappeler le bon vieux temps. Oui. Je vais en parler à ta mère. Elle va être ravie. C'est ça. Ouais, bisous, à ce soir. Je viens d'avoir ta sœur au téléphone. Elle dormira là ce soir et demain soir. Parce que Julien part en séminaire pour 2 jours et elle a peur la nuit toute seule. Dans un 2 pièces? Oui, enfin bon, qu'est-ce que tu veux? C'est pas moi qui vais m'en plaindre. La cousine... Ah oui, alors, elle nous rejoindra dans quelques instants. Ouais. Parce qu'elle n'a pas fini de déballer ses petites affaires. Ah oui, tu sais, les petites. Oui. Bah oui. Bon, on va manger. Oh, ça sent bon. Qu'est-ce qu'on mange? Ça sent bon. C'est
haricots. Les haricots qui s'enfilent. Les haricots s'enfilent. Sortez, sortez. Bon, ben. Oh, au revoir, mademoiselle Gilbert. Oh mon Dieu. Et en plus, il m'a appelé par mon prénom. Oh mon Dieu, protégez-moi. Mon Dieu, protégez-moi de la tentation. Mon Dieu, protégez-moi. C'était bon, hein? Bien, bon, je vais aller m'allonger un peu, parce que mon blé n'était pas assez cuit. Et ça me pèse, là, un petit peu sur l'estomac. Ah, bah, j'ai pourtant respecté le temps de cuisson marqué sur le paquet. Eh bien, alors, ça doit venir de votre eau. Elle est sûrement beaucoup trop calcaire. Après, on trouve drôle qu'on attrape des calculs dans la vésicule biliaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Avec tout ce que vous consommez, c'est pas possible tout ça, c'est pas possible. Tu entends ça? Dire des âneries pareilles? Oui, là, j'avoue que ça me laisse sans voix. Comme on dit, il vaut mieux entendre ça qu'être sourd. Hein. Allez. Bien, bon, bah, c'est pas le tout, moi j'y retourne. Allez, c'est tu parti. Tu repars? Ah oui, oui, oui. Tu en as pour longtemps? Oh non, non, 2-3 heures, grand maximum. Oh, quand même. Ouais, moi aussi, je dois y aller, maman. Mais t'inquiète pas, chérie. Gilbert va faire la sieste pendant au moins 2 heures, alors. Oui, tu as raison. J'ai un peu de répit. Et puis j'ai ma copine Ginette qui doit passer me voir cet après-midi. Ah bah, tu lui feras une bise de ma part. Allez, bisous, à ce soir. À ce soir. Ouais, et puis t'inquiète pas, en plus, ce soir, on sera tous là. Allez, à ce soir. Ah oui, c'est vrai, Lise nous rejoint ce soir. Allez, Thibaut. Trop aimable. De province, ni trop grande, ni trop grosse, ni trop mince. J'arrive avec ma valise, car Paris pour moi c'est la terre promise. Oui, c'est pourquoi? Bonjour Madame Rivet, je voudrais vous parler. Ah bon? Eh bien, entrez, je vous en prie. Mais vous avez l'air d'être en pleine forme. Je m'y attendais pas. Pardon, je ne comprends pas très bien. Mais on croirait pas que vous êtes malade. C'est parce que je ne le suis pas, voilà. Je me porte comme un charme. En vous voyant, c'est bien ce qu'il m'a semblé. Mais ça y est, j'ai tout compris. Mais vous avez pas honte? Qu'est-ce qui vous prend? Pas la peine d'essayer de m'embrouiller, j'ai tout compris. Dire que je prenais pitié et que j'osais pas venir, une malade, ça force le respect. Mais vous le roulez dans la farine, mon pauvre Biquet. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Je suis lucide, plus que Madame Soleil, j'ai tout compris. Et mon pauvre Biquet, il est tellement sensible, comme il me dit. Ma pauvre Fanfan. Fanfan, c'est moi. Mais je peux pas la quitter. J'aurais trop mauvaise conscience. Mais enfin, mais qui est Biquet? Votre mari. Quoi? Je suis sa maîtresse. C'est pas possible! Depuis plus de 6 mois. Non! Et j'en ai marre de jouer le second rôle. Je veux qu'il divorce. Et lui aussi, il aimerait bien. Mais il n'ose pas parce que vous lui faites croire que vous êtes malade. Déjà, il vous a épousé contraint et forcé. Quoi? Oui, 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 parfaitement. Sinon, il serait passé pour un sans-cœur. Et vous, vous lui ruinez sa vie. Vous jouez les mourantes et dès qu'il a dos tourné, vous chantonnez en arrosant vos plantes. Mais c'est un cauchemar! Et ce n'est que le début. Quand je vais tout lui dire, il va vous jeter comme une vieille serpillière. Mais je n'ai jamais fait semblant d'être malade. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Mais vous êtes complètement folle. Vous avez l'air d'être sincère. Mais évidemment que je le suis. Mais enfin, c'est quoi cette histoire? Bah, dans ce cas-là, il nous trompe toutes les deux. Qu'est-ce que vous dites encore? Mais vous, c'est normal. Largement la cinquantaine. Et puis, j'ose pas imaginer la chemise de nuit en pilou-pilou. Les bigoudis dans les cheveux le matin et puis le bœuf en daube du dimanche. Quoi? Mais moi, je comprends pas. Je fais tout comme il aime. Les dessous en dentelle rouge et noir, c'est son vice. Le striptease en apéritif.
Puis alors, je suis comme les scouts, toujours prête, hein, parce qu'il a de l'appétit, mon biquet, faut pas lui en promettre. Je vous en parle pas. Insatiable, ça. Ah non, non, c'est pas possible. Mon mari est insatiable. Ah non, ça, c'est impossible. Ah non. Bah, impossible, impossible. Pas avec moi, en tout cas. En même temps, en vous voyant, je comprends qu'il soit pas très gourmand. Hein. Non, mais dites donc, vous. Bah, quand même, ça se voit au premier coup d'œil que vous êtes pas un bon coup. Quoi? C'est pas votre faute, hein, vous avez pas le gabarit. N'empêche, faut pas avoir beaucoup de fierté pour accepter qu'il vous garde par pitié. Mais il faut pas avoir beaucoup de cervelle pour croire un amant qui vous dit qu'il ne peut pas quitter sa femme parce qu'elle est malade, mais vous n'êtes qu'une gourde! Je ne répondrai même pas à l'insulte. J'ai trop le respect des aînés. Vous savez ce qu'ils vous disent, les aînés? Vieille acariâtre! Ah, mais il y a des choses vraiment qu'on comprend pas. Il a touché le gros, là, mon pauvre biquet. Hein. Oh, il y en a une que vous allez comprendre et pas plus tard que tout de suite. C'est votre douleur si dans un centième de seconde, vous êtes encore là. Fichez le camp, je vous dis. Fichez le camp. Mais violente en plus. Mais il m'a menti, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il se croit obligé de rester. Obligé, vous m'avez bien comprise. En tout cas, ne pensez pas que je vous le laisse. Foi de fanfan. J'y tiens trop à mon biquet. Fichez le camp. Ben alors, ma belle, qu'est-ce qui t'arrive? T'as appris une mauvaise nouvelle? Oh, c'est pire que ça! Pire qu'une mauvaise nouvelle? De mauvaises nouvelles, alors! Mais dis-moi, ça a un rapport avec la fille que j'ai vue sortir d'ici à l'instant? C'est la maîtresse du père! Ton mari a une maîtresse? Oh, n'importe quoi! Tu te rends compte? J'aurais mis ma tête à couper tellement j'étais certaine qu'il était fidèle! Mais il ne se passe pas un jour sans qu'il me dise qu'il m'aime! Tiens, dans la rue, on se tient par la main comme avant. On n'a même pas besoin de se parler. On se regarde et on se comprend. Quand je pense qu'il me trompe, et avec une jeune en plus. Oh là là, moi j'arrive pas à y croire, c'est pas possible, pas lui. Oh, il me fait croire qu'à cause de son âge, il n'a plus la vigueur d'avant. Tu parles? Là, il dépense toute son énergie avec cette fille en bandit de dentelle rouge et noire. Et moi qui essayais de raviver ses ardeurs. Avec ma musique douce en fond sonore, mes petites bougies et mon déshabillé bleu ciel, même pas transparent. Ben, j'ai dû être pitoyable. Oh là 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 là, moi j'en suis sûre derrière, hein. Et encore, je reste polie. Oh là là, j'arrive pas à y croire. Il est comme les autres, tiens. Mais si je le perds, je perds tout. Mais pourquoi il me fait ça? Pourquoi il m'abandonne? Il m'a pas seulement trompée, il m'a assassinée. Je vais en crever, tu entends? Je vais en crever! Oh là 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 là! Hop hop hop, allez hop! Plan d'urgence! Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La gougoute à papa. La gougoute à maman. Allez hop, avale-moi ça. Non. C'est de l'agneau là. Non. Ah si, 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 si. C'est ce qu'il faut pour quelqu'un qui est à l'article de la mort. Allez hop, et cul sec. Cul sec, je te dis. Allez. Voilà. C'est bien. Bon alors maintenant, tu bouges ton nez et tu m'écoutes. Tu vas pas te laisser démolir par ce guignol, non? Quel guignol! Mais ton Hubert, tiens, pardi! Mais ce n'est pas mon Hubert, puisqu'il est à tout le monde, apparemment! Mais je vais en voir défiler combien comme ça, parce que je suis sûre qu'il y en a d'autres! Oh, j'ai envie de les triper de mes mains! Oh. Enfin, je te retrouve! 40 ans que je le supporte! 40 ans que je fais son ménage! Que je fais ses repas! Que je supporte à ces ronflements tellement forts qu'on se croirait à Roissy un jour de trafic intensif. 40 ans que je ris de ces jeux de mots-là, d'une pauvreté navrante, et tout ça pour lui faire plaisir. Et il me bafoue, moi, la mère de ses enfants. Oh là 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 là, c'est ignoble. Je dirais même pire, c'est honteux. Connard. Salaud. C'est peut-être de ma faute, remarque. Je suis tout le temps en train de gratouiller dans mon jardin. C'est vrai qu'en jogging, ben, c'est pas, ça met pas le corps en valeur.
Mais moi, je me disais que le principal, c'est pas les vêtements, mais ce qu'il y a dessous. Et ce qu'il y a dessous, il se rend bien compte que c'est pas si mal que ça encore. Oh, bien sûr, j'ai plus 20 ans. Ouais, dis donc, hein, tu vas pas culpabiliser, hein. C'est fou, ça. T'as pas encore compris comment ils fonctionnent, les hommes. Quand ils sont jeunes et vigoureux, n'importe quelle fille les excite. Même si elle est habillée avec un sac à patates ou qu'elle ressemble à un babouin. Oh, garde à vous, le popol. Ah, bah alors après, c'est une autre histoire, hein. Il leur faut du décor, une petite tenue qui affole, des mots coquins. Ils n'osent pas le dire à leur femme, alors qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils prennent une maîtresse, ben voilà. Ben oui. Ah. Alors, comme on se sent abandonné, on se dit, c'est parce qu'on n'est plus attirante, c'est normal. Eh ben, t'as tout compris. De toute façon, c'est le cas, il y a bien longtemps, je n'intéresse plus personne. Oh. Eh ben, c'est ça, vas-y, rajoute une couche, donne le bâton pour te faire battre. Plus on se baisse, plus grand cul on monte. Ça, c'est ma mémé Sylvie qui disait ça. Et je peux te dire qu'elle, c'était la reine du bon sens. Mais elle avait raison. Bah tiens. Mais je dis n'importe quoi. Il a aucune excuse. Aucune. Puis t'es quelqu'un de formidable. Tu fais pas ton âge en plus. T'es gentil, sensible, attentionné. Tu penses d'abord aux autres avant de penser à toi. Il peut pas s'en tirer comme ça. Non, il ne peut pas. Rends lui la monnaie de sa pièce et montre-lui que toi aussi, tu peux lui faire pousser des cornes. Ouais, mais j'ai pas envie de prendre un amant, moi. Eh ben, fais-lui croire que t'en as un, tiens. Mais comment veux-tu que je trouve un homme qui marche dans la combine et en si peu de temps? Ah oui, ça c'est lui, cas. Faudrait quelqu'un que tu connaisses déjà. Oh, bah dis donc, j'ai une idée. Je pense à Maurice. Maurice, notre ancien collègue. Maurice. Oh. Maurice. Maurice. Oh. On l'appelait le confident de ces dames. Oh, j'ai jamais vu un autre homme comprendre aussi bien les femmes que lui. Oh, bah ouais. Ça fait un moment qu'on s'est perdu de vue, mais je dois bien avoir son adresse quelque part. Bouge pas, ma poule. Eh. Ok, Google. T'es là, Maurice? Maurice? Ça marche pas, ton truc, là. Bon, avec un peu de chance, il a pas déménagé et je le trouverai bien sur Internet. Au pire, j'appelle Orange. Ouais, mais je vais pas oser lui demander ce genre de service, hein. Mais laisse, je m'en occupe, il t'avait à la bonne. Je suis sûr qu'il sera content de t'aider. Ouais, mais moi, ça me fait un peu peur de me lancer dans une histoire pareille. Non, mais tu te rends compte, faire un mensonge aussi énorme à Hubert? Oh bah dis, hein, femme qui dit tout à son mari pleure plus souvent qu'elle ne rit. Ça, c'est mémé Sylvie qui disait ça. Mais elle avait raison, mémé. Mais cette méthode en vaut une autre. Et je vais te dire une bonne chose. Eh ben, je vais prendre beaucoup de plaisir à le faire enrager. Ah bah, tu lui dois bien ça, après ce qu'il vient de te faire. Salaud. Tous les mêmes. Ah ouais, je vais leur faire baver. Ma vengeance sera terrible. Ils vont faire une de ses têtes. Eh ben, ça lui fera les pieds, tiens. Qu'est-ce que je suis malheureux. Oh non, hein, tu vas pas remettre ça. Allez hop, attrape ton sac et suis-moi. Pour aller où? Eh ben, dans une de ces boutiques où l'on vend le vent. Le genre de franfreluche que ton Hubert apprécie tant. C'est bien rouge et noir que tu m'as dit. Bah, il paraît que c'est son vice. Eh ben alors, pas d'hésitation, ma poule. Raboule tes plumes. Je vais faire une course avec ma copine Ginette. Vous restez pas trop, au moins.
Pourquoi, il y a quelque chose qui te tracasse? Bah oui, c'est la dame, mademoiselle Gilbert. Elle est bizarre. Oh, j'avais oublié qu'en plus il m'impose ce vieil épouvantail. Oh. À chaque fois que je lui fais voir mes légumes, elle crie et elle part en courant. Une lubie de plus. Eh, je vais te dire une bonne chose, mon petit Marcelin. Elle a pas fini d'être affolée. Et puis ça, c'est moi qui te le dis. Ah bon? Je pars. Oh. Coucou, Marcelin. Oh, madame Lise, vous revenez? Oui, pour 2 jours. Mon mari est parti pour son travail, donc je reviens chez papa-maman. Oh, bah je suis bien con. Je suis bien con. Mais non, mon petit Marcelin, faut pas dire ça. Je suis bien content. Oh. Je vais vous porter votre valise. Ça va aller, elle est vraiment pas lourde, merci. Ah. Tiens, c'est mon frère. En fait, maman n'est pas là? Non. Elle est partie faire des courses avec sa copine. Elle va pas rester. Elle m'a dit. Bon, ben je vais au jardin. À tout à l'heure. Oh. Au revoir. Tiens, voilà la courageuse. Ça va? Ah, je suis en plein boulot. Et Morand a la charge de l'ensemble des maisons du lotissement. Et j'ai certains de mes plans qui l'intéressent beaucoup. Bah, si Julien et moi on fait construire, on compte sur toi. Ah, et vous serez pas déçus. Votre maison sera un vrai prototype. Pouf! Je te fais confiance. Bon, y a part ça, les amours. Oh, ça va, merci. Bon, tu me connais? Eh ben ça oui, je te connais, oui. Quand je pense au nombre de filles qui sont venues pleurer sur mon épaule en me demandant de venir te parler pour pas que tu les laisses tomber. Ah non, non, mais attends, ça c'est terminé. Je me suis organisé, j'ai trouvé un truc qui marche à tous les coups. Et on peut savoir lequel? Oh, tu devineras jamais. Bah dis-moi. Non, tu devineras pas. Dis-moi. Tu devineras pas. Mais tu vas me dire oui. Okay. J'ai dit que je suis marié. Non. Il y en a qui enlèvent leur alliance pour aller voir leur maîtresse. Moi, je fais l'inverse. J'en mets une. Bah tiens, regarde. Tada! C'est pas vrai? Ah mais c'est imparable! Ça fait plusieurs mois que je suis avec une fille et j'ai une paix royale. Mais tu me l'avais pas dit, ça? Ah mais je sais, tu la kiffes grave, en fait! Bah, j'avoue que je suis bien avec elle. Mais de là, me caser... Bon, il y a de la marge. Je suis sûre qu'elle doit te demander de divorcer, mais bon... Ça doit pas changer grand chose. Si, parce que tu vois, ton frère est un petit génie. Tiens, écoute ça. Je lui dis que j'avais été l'amant d'une femme plus âgée, follement amoureuse, que quand elle est tombée gravement malade, elle a demandé de m'épouser, et je n'ai pas eu le courage de lui refuser cette dernière volonté. Donc, non seulement je suis marié, mais en plus, je suis dans l'impossibilité de la quitter. Oh, ce serait trop cruel alors qu'elle vit ses derniers instants. Peut-être. Et ça marche? Mais ça marche pas, ça court. Quand j'ai raconté cette merveilleuse histoire, Fanfan m'a regardé. Fanfan? Ben en fait, elle s'appelle Fantine, mais elle trouve que ça fait trop... misérable. Bref, elle m'a regardé avec ses grands yeux remplis de larmes et elle m'a dit « Oh mon biquet, comme tu es délicat !» Et depuis tout ce temps, tu vas me dire qu'elle a jamais eu la curiosité de voir la tête qu'elle avait, cette fameuse épouse? Oh, que si, ça n'arrêtait pas. Alors un jour, je lui ai montré une photo et depuis, je suis tranquille. Et une photo de qui? De maman. Ah, vous êtes là! Tu es revenu me voir? Non, si. Je vais rester dormir là jusqu'après-demain, mon mari est parti pour son travail. Ah, ça m'aurait étonné que ce soit pour moi.
Vous avez fait bon voyage? Enfin, bonne sieste, du moins. Oh bah parlons-en! J'ai pas pu fermer l'œil! Le lit est vraiment très inconfortable. Oh, le polochon est beaucoup trop mou et l'oreiller, il est beaucoup trop dur. Et il y a l'autre, là, dans le jardin, qui fait un bruit, mais je vous dis pas, du tonnerre de Dieu. Marcelin? J'entends rien. Ah bah... Bah si, il y a un petit raclement, mais ça doit être le râteau. Et bah t'as qu'à venir dans ma chambre, c'est infernal. Oh, les gémissements de maux, des douleurs de mauvaises herbes arrachées à la vie. C'est atroce. Mais dis donc, tu as entendu, toi? Mais tu n'es qu'un impertinent. Je vais aller faire du thé. Vous en voulez, cousine Gilbert? Ah, certainement pas. Dans le thé, il y a de la théine, qui est tout aussi nocive, voire plus que la caféine. Non, 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 je vais nous faire une petite décoction à base d'écorce de bouleau. C'est très bon pour le cœur. Et en plus, c'est un excellent dépuratif. Bah donnez, je vais m'en occuper. Ah, non, 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 certainement pas. Je vais la faire moi-même. Et avec de l'eau de source, s'il vous plaît. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et avec de l'eau de source, parce que j'élève bien. Bon, tu es certaine de vouloir rester chez les parents? Non, là, je commence à comprendre maman. Ah, si on allait faire un tour. Où ça? Bah, on a des amis au bowling, on pourrait les rejoindre. Et la cousine? Oh, laisse-la savourer son bouillon de culture. Dépuratif égale laxatif. Je n'aimerais pas être là quand t'arriveras la grande délivrance. T'es dégueu. T'as pas honte de dire des horreurs pareilles? Bon alors, on y va. Bah, je laisse un mot pour maman et je te rejoins. Bon, ça marche. Maman, nous sommes partis au bowling. Bisous, Lise. Allez, mon sac, tac. Ils sont partis? Ils sont partis. Ils sont partis sans me prévenir. Oh, c'est mal élevé et compagnie. Ah, oh, c'est du propre, tiens. Oh. Ah ben, ça m'apprendra, tiens, à vouloir prendre soin de la santé des gens. Ça m'apprendra, tiens, à vouloir être bien bonne avec les autres. Madame Rivet. Madame Rivet n'est pas là. Oh. Vous êtes seule? Mais je ne suis jamais seule. Il est là. Je vois personne. Mes crayons. Vos quoi? Je n'arrive pas à mettre la main sur ma binette. Oh. Vous voulez pas m'aider? Mais quelle horreur! Mais sortez immédiatement! Ah mais c'est que j'avais envie de bibiner, moi. Oh. Et comment je vais faire pour bibiner si j'ai pas de binette, moi? Mais taisez-vous! Mais je ne veux rien savoir de votre vie privée, moi! Mais taisez-vous, mon Dieu. Mais je vais pas prendre une belle quand même! J'avais envie de bibiner, moi! Elle a peur des outils aussi. De conduire, regarde! Il tremble encore! Je n'arrive pas à voir ce qui...
qui m'arrive. Et si on m'avait dit qu'un jour je me mettrais ça sur le dos. Oh, ouais, bah, oh, tu vas pas te dégonfler, hein. Bah, bah non, mais quand même, hein. Eh. C'est quoi cette valise? Oh, c'est celle de Lise. Je la reconnais, hein. Oh, oh, ouais, c'est celle de Lise. Oh, 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 oh. Pourquoi son mari l'a déjà foutu à la porte? Ben non, il est en séminaire. Pourquoi il est devenu curé? Oh, ben non. Oh, oh, ben attends, elle a laissé un mot. Nous sommes partis au bowling. Oh, hé, elle est au bowling avec son frère. Ben regarde, elle nous a fait du thé. En pensant, ça va pas nous faire du mal. Hein. Bon. Oh. Allez, ma poule. Chin. Hein. Oh. Oh, mais c'est quoi cette horreur? Ah bah c'est pas du thé en tout cas. Oh bah là faut appeler le centre anti-poison. Babo, babo. Oh, c'est encore un coup de cette la cousine là. Non seulement elle avale n'importe quoi, mais elle veut nous faire partager ses purges. Oh, t'énerve pas. Hubert va pas tarder. Allez hop, moi j'y vais. Hein. Ouais, bah moi aussi. Ça va aller, toi, t'en tiens une bonne, hein? Bon. Allez. Oh. Allez. Oh. Allez, hop, moi, je vais chercher Maurice et demain, je te le ramène. Ok. Merci, ma copine. Oh, bah, dis. Les amis, c'est fait pour ça, hein. Allez. J'ai raté quelque chose? Ce garçon est un véritable obsédé. Qui? Oh, dès que je suis seule, il revient du jardin et il me dit des obscénités. Mais je vous ai déjà dit que Marcelin était parfaitement inoffensif. Et moi, je vous dis que non. Ah, Hubert, enfin, toi, tu vas me croire. Bonsoir, Biquet. Mais pourquoi tu m'appelles comme ça? Pourquoi? Ça te va bien, non? Biquet! Quelle drôle d'idée! Mais bon, est-ce que quelqu'un va m'écouter à la fin? Bah, elle est toute rouge parce qu'elle est dans une colère noire! T'es sûr que tu vas bien, hein? Bah oui, Biquet! Bon, Hubert, il faut que je te parle! Plus tard, Gilbert, plus tard! Bon, bah ça va, j'ai compris! Hein? Mais enfin, rien de ce que pourra me dire ce Marcelin ne me fera succomber à la tentation. Mais de quoi est-ce qu'elle parle? Elle préférait plutôt mourir que de goûter un de mes légumes. Oh, oh, à propos, ce soir, ce sera mon pâté d'algue. 30 minutes thermostasis. Ah, voilà le secret de ce beau teint verdâtre. Eh ben, Hubert se fera un plaisir de vous préparer ça. Mais mon
Enfin, ma chérie, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, rien. Absolument rien. Oh! Les enfants dînent à l'extérieur avec leurs copains. Ah, on sera tout seul avec Gilberte, alors? Tu seras tout seul avec Gilberte. Ah bon, tu dînes pas avec nous? Non. J'ai pas faim. Ah. Ah, y a un truc là qui passe pas. Ah, c'est pour ça que tu n'as pas l'air d'être dans ton assiette. Sûrement, oui. Ouais. Je vais me coucher, allez, tiens. Bon. Bonsoir, Piquet. En rouge et noir, du haut de ces montagnes de douleur, j'exilerai ma peur. Mais elle a bu. Sur l'estomac. Oh non, c'est du lait demi-écrémé vitaminé classique. Ouais, ben rien ne vaut le lait de soja, tiens. Bon, enfin, c'est ahurissant de voir tout ce que vous consommez, c'est incroyable. Ouais, c'est ce que je me dis quand je vois tout ce qu'il y a dans ton assiette. Autant parler à un mur, d'après ce que je vois. Non, c'est toi qui as raison, Gilberte. Voilà, je plaisantais. Ouais. Bonjour tout le monde. Ah, bonjour. Maman n'est pas levée? Non. Ah, comme vous voyez, une maîtresse de maison. Ne se doit-elle pas d'être levée avant ses invités pour préparer le petit déjeuner? Eh bien non! J'ai dû faire moi-même ma bouillie d'avoine, vous vous rendez compte? Bon, allez, je vous lèche. Je vais aller... Pardon? Je vais aller faire des ablutions avant que vous n'envahissiez la salle de bain. À tout à l'heure! Dis donc, j'imagine la soirée que vous avez passée. On est vraiment désolé de vous avoir laissé tomber. Ah, vous en faites pas, je vous comprends très bien. Ouais, ce soir, on vous laissera pas. Hein. Ouais. Pauvre maman, je suis sûre que tout ça, ça lui a coupé l'appétit. À tel point qu'elle a même pas dîné avec nous, tu vois. Ah, tu veux dire que tu as mangé seule avec la vieille chouette, là? Pardon. Non, c'est pas grave. En fait, je crois que votre mère est un peu perturbée. À cause de la cousine? Oui, j'en ai l'impression. Elle lui tape sur les nerfs, ça c'est évident. Je sais pas pourquoi je vois ça, mais... Bonjour, maman. Bonjour, mon chéri. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Bonjour, ma chérie. Comment ça va? Tu te sens bien ce matin? Tu devrais pas être à l'agence? Je pense que je vais passer la journée ici. Pourquoi? Bah parce que je vais rester un petit peu avec toi. C'est pas la peine. Nous, on va aller prendre le petit-déj. Oui, hein? Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Lâcheur. Bon, ça va, j'ai compris le message. Je sais ce qui te tracasse. Ah! Oui. Tout de même! Je suis désolé. J'aurais jamais dû faire ça, mais j'ai une bonne raison, crois-moi. N'essaie même pas de te justifier. Je te jure que c'est la première et la dernière fois. C'est tout ce que tu trouves à dire? Et tu crois que ça va suffire? Oh, dans quelques jours, tu verras, tout sera oublié. Oh. C'est tout ce que tu trouves à me dire? Oui. Mais oui. C'est tout ce que je trouve à te dire. Bah oui, dans quelques jours, tout sera oublié. Tu verras. Ah oui. Et tu crois comme ça, sans doute. Hein? Oui, bah rassure. Je vais rester avec toi aujourd'hui. Ça vaudra beaucoup mieux. Hein? Et tu verras, tout va se calmer, s'oublier. Tu vas voir. Bien sûr. Et je te fais la promesse que je n'inviterai plus cousine Gilberte, même pas pour 24 heures. Quoi? Ah, tu me parlais de ta cousine? Ben oui, oui. Mais de qui d'autre? Et tu n'as pas autre chose à me dire? Non. Non, pourquoi je devrais? Sois gentil, Biquet! Prends ton attache-caisse et va travailler! Mais... Tu m'as bien dit que tu avais des affaires urgentes et délicates à régler, non? Oui, oui, mais... Et je suppose que tout n'est pas solutionné! Effectivement! Alors pars! Et cesse de polluer mon espace vital! Ah, parce que je pollue ton espace vital, moi? Parfaitement! Tu vas un petit peu fort, là, tu trouves pas? J'ai pourtant pas l'impression que t'es bu ce matin. Quoi?
C'était pas le cas hier soir, alors excuse-moi si je me pose des questions. Non mais ça va pas. Oh, c'est pas la peine de prendre cet air offusqué. Hein. Tu avais laissé ton verre sur la table et tu étais passablement éméché. Permets-moi de te le dire. Oh bah ça c'est trop fort. Tu es au pied du mur et tu retournes la situation contre moi. Va-t'en sinon j'explose. Bon, je sais pas ce qui t'arrive, mais je te préviens que j'ai pas du tout l'intention de me laisser malmener. Je vais partir puisque tu y tiens tant. C'est ça. Bon vent. Et puis non, tiens, ça te ferait beaucoup trop plaisir. Je sais pas ce qui se met dans ces états pareils et je veux savoir pourquoi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Va travailler! Mais qu'est-ce que j'ai fait, bon sang? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai jamais entendus disputer comme ça, c'est incroyable. Ouais. Oh, puis t'as vu, maman est vraiment en colère contre papa. Ouais, ouais. Je trouve bien silencieux. Alors, je voulais pas t'en parler, mais... Bon, il y a quelque chose qui me chagrine quand même. C'est quoi? Ouh, tu risques de mal le prendre. C'est à propos de papa. Quoi? Il est malade? T'as appris quelque chose? Ah non, non, rassure-toi, il est bien portant. Trop bien portant, peut-être même, sûrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, ces derniers temps, il a une attitude bizarre. Il est nerveux. Il sursaute au moindre coup de fil. Ou alors, il s'absente n'importe quand, sous prétexte que c'est pour du travail. Mais c'est parce qu'il est surmené! Oui, sûrement. Mais je pense qu'il s'agit pas de ça. Bah vas-y, continue. Hier, je revenais de mon stage et devine quelle voiture je vois sur la rocade sud? Celle de papa. Et alors? L'agence est à l'opposé, il avait rien à faire là. Il revenait peut-être de chez un client? Non, non, il a dit qu'il rentrait directement. Et comme ça me semblait bizarre, il a prétendu que c'était pour changer un peu. Ça tient pas? Oui, bon, d'accord, c'est un peu bizarre, mais... Pourquoi pas? Eh mais c'est pas tout. Ah bon? Non. L'après-midi, quand il est reparti, je l'ai suivi. Oh, t'exagères, hein? Oui, bon, et alors? Il a pas du tout pris le chemin de l'agence, il s'est engagé sur la rocade sud. Alors, il y avait beaucoup de circulation, il a dû la quitter sans que je m'en aperçoive. Dans tous les cas, je l'ai paumé. On t'en déduit quoi, là? Quoi? Je pense qu'il voit quelqu'un. Quoi? Tu veux dire que papa a une maîtresse? C'est impossible. Ça serait ni le premier ni le dernier. Hein. Mais non, mais je suis sûre que tu te trompes. Hier encore, maman me disait à quel point ils s'aimaient tous les deux et à quel point ils ne faisaient qu'un. Elle se doutait de rien, mais si ça se trouve, elle a appris quelque chose et c'est pour ça que ça va mal. Si c'est vrai, c'est abominable. Ouais. Non, 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 non. Papa ne ferait jamais une chose pareille. Je refuse d'y croire. J'espère que je me fais des idées. C'est qu'elles sont belles, mais prunes. Petites, mais toutes rondes et toutes lisses. Venez, je vais vous les montrer. Oh, ça va pas, ça va. Oh, oh, doux Jésus, Marie Jaunet. Ah ben ça alors, elle a peur des fruits aussi. Ah ben ça... Comme un petit toutou. Ouais, écoute, je t'ai jamais vu dans un état pareil, je veux savoir pourquoi. Mais c'est à toi de me le dire, Biquet. Tu es bien comme les autres, fourbe, menteur, égoïste. Enfin, c'est incroyable, tu vas pas m'en vouloir ma vie entière parce que j'ai invité Gilbert. Oh, il s'agit bien d'elle. Mais alors quoi? Quoi? Mais c'est à toi de me le dire, Biquet. Oh, écoute, arrête de m'appeler comme ça, enfin, c'est ridicule à la fin. Tu ne réponds pas quand on t'appelle. C'est une erreur. Comment peux-tu le savoir? Tu n'as pas décroché? J'ai vu le numéro sur l'écran et je le connais pas. Tu n'es pas bien curieux.
Écoute, c'est une erreur, c'est une erreur. Je vois pas pourquoi je prendrais du temps pour répondre à un coup de fil d'un inconnu. Hein. D'ailleurs, il y a que les gens que je connais qui ont mon numéro. C'est bien ce qui prouve que c'est une erreur. Point. Bon. Je vais me faire un café. C'est ça. Ton explication est lumineuse. Oh. Bonjour, madame Rivet. J'avais oublié le panier. Tu es bien matinale aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, je suis venu pour les prunes. C'est long, les prunes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Madame Rivet, je voulais vous dire votre cousine, elle a peur des légumes. Elle a peur des outils, mais elle a aussi peur des fruits. Ce n'est pas ma cousine, mais celle de son crétin cousin. Oh. Ah bon? Ah bon? Oui, allô? Allô? Oui. Oui, j'ai pas pu répondre tout à l'heure parce que j'étais chez moi. Ah non, non, j'ai rien dit à ma femme. J'ai toujours été clair à ce sujet, je ne veux pas qu'elle l'apprenne. Aujourd'hui aussi? Mais on s'est déjà vu toute la journée d'hier. Ah non, ça tombe mal. J'ai dit à ma femme que je restais à la maison. Ah. Bah oui, en plus elle n'est pas au mieux de sa forme, alors... On se voit au bureau. Oui. Bah, j'ai rien dit à Tournier, mais je vais bien être obligé de le mettre dans la confidence. Oui, bah, il va falloir que je raccroche, là. Oui. Oui, je vais me débrouiller. Oui, c'est ça. À cet après-midi. Oui, c'est ça. Oui. Oh, le monstre, l'abject. Il y en a encore une. Oh. Ma femme n'est pas au mieux de sa forme, je ne peux rien lui dire. Le même scénario que pour l'autre. Ah ! Il va me le payer ! Oh. Allô, Gigi ? C'est moi. Alors, mais j'attendais ton coup de fil. Tu as pu parler à Maurice ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Bah, c'est oui ou c'est non ? Bah oui, c'est normal qu'il veuille qu'on en parle d'abord, mais... Ce matin ? Oui, ça me va. Ça me va même très bien. À tout à l'heure. Oh. Allô ? Allô, Tournier ? Oui, c'est moi. Oui. Oui, je sais, ma femme m'a dit, oui. Oui, bah écoute, je comprends, j'aurais dû vous avertir. Oui, mais vous avez bien réagi, c'est l'essentiel. Je suis désolé, Tournier. Mais écoutez-moi, bon sang, enfin ! Bon, voilà. Vous allez m'appeler dans la demi-heure en me demandant de venir parce que vous avez besoin de moi. Mais je sais que c'est faux, mais vous faites comme si c'était vrai. Mais vous pensez bien que si je pouvais éviter de vous mêler à tout ça, vous pensez bien que hein? Mais nom d'une pipe, c'est quand même pas compliqué un coup de téléphone, quoi. Bon, quand je vous aurais dit, vous comprendrez. Mais non, là, je peux pas vous expliquer maintenant, là, non, c'est pas possible.
Et attention, je veux surtout pas que ma femme soit au courant. On est bien d'accord? Bon, merci, Tournier. Je vous revaudrai ça. C'est ça. Merci, Tournier. À tout à l'heure. Tac. Je parle tout seul. Non, je parlais aux plantes. Vraiment? Oui, ce sont des êtres vivants qui sont sensibles au son. J'ai lu ça quelque part, mais il s'agissait de musique. Ah, tout à fait. Mais les paroles sont une sorte de musique, non? Oh là là, tu mens très mal. Comment ça? Mais ça suffit, papa. T'enfonce pas davantage, on t'a entendu. Tu demandais à Tournier de te couvrir, la Libye te trouvait, elle a besoin de toi au travail. Comment tu peux faire ça, maman? Comment oses-tu te moquer d'elle à ce point? Mais au contraire, j'essaye de la protéger. Bien sûr, et c'est tellement plus confortable pour toi qu'elle ignore que tu as une maîtresse. Une maîtresse? Mais non, pas du tout. Alors, ouais, bon. Ça suffit, ça devient franchement pénible. Assume-moi tes actes. Enfin, je vous jure que j'ai pas de liaison. J'aime votre mère comme au premier jour. Bien sûr, et qu'est-ce que tu vas encore inventer? Oh, mais ma liaison, je t'assure que c'est la vérité, je te jure. Oh, bon sang. Asseyez-vous. Vous allez me promettre de ne pas répéter ce que je vais vous dire. Ouais, alors là, ça dépend. Écoute, si tu as une autre femme dans ta vie, ne compte pas sur moi. Il s'agit bien d'une autre femme, mais c'est pas pour le plaisir, croyez-moi. Voilà, j'ai quelques problèmes. Figurez-vous que je suis victime d'un contrôle fiscal. Et quand je dis victime, c'est le mot qui convient. Car j'ai sur le dos depuis une semaine une inspectrice des impôts, une certaine Nathalie Leroux, et c'est une teigneuse, croyez-moi. Elle décortique tout, elle vérifie tout. Il faut que je présente la moindre petite facture. Et ça va du stylo jusqu'au rouleau de papier toilette. Elle doit faire du zèle, c'est pas possible autrement. J'en dors plus, je ne pense qu'à ça. Mon agence est en jeu, j'en suis malade. Voilà. Mais tu t'as fait des magouilles? Mais non. Enfin, je... Un petit peu. Oh. Enfin bon, on a... Depuis 2 ans, on traverse une passe difficile à l'agence. Alors j'ai fait apparaître un déficit. Un tout petit, bref, j'ai les impôts sur le dos. Le problème, c'est que maintenant, elle veut s'attaquer à nos finances personnelles. Alors si je dis ça à votre mère, soucieuse comme elle est en ce moment... Jure-moi que tout ce que tu viens de te dire là, c'est la vérité. Je te le jure, ma liaison sur ta tête et celle de ton frère. Oh, mon papounet, je savais que tu pouvais pas faire ça à maman, moi. Jusqu'à présent, elle me convoquait au centre des impôts. C'est pour ça que tu m'as vu sur la rocade sud hier. Et voilà. Exact. Hein? Ouais. Bon, aujourd'hui, elle vient au bureau aujourd'hui. Alors, j'avais encore rien dit à Tournier, mais je vais bien être obligé de le mettre dans la confidence. J'espère qu'il ne va pas faire de gaffe. Hein? Et le problème, c'est qu'elle veut venir ici pour vérifier nos comptes personnels. Et tu ne peux pas l'en empêcher? Bah non, enfin, je vais emporter quelques classeurs que je vais emporter petit à petit dans ma sacoche et va les pointer au bureau. C'est tout ce que je peux faire. Attends, si tu as des soucis d'argent... Et qu'en plus, c'est un redressement. Comment tu vas faire? C'est bien pour ça que j'ai invité cousine Gilberte. Oh. Parce qu'elle a des tas de défauts, mais elle a une énorme qualité. Oh. Elle est riche. Oh. Comment vous dites les jeunes? Elle est pétée de thunes. Voilà, c'est ça. Enfin bon, bref. J'ai commencé à lui parler de mes problèmes financiers, et c'était pas de gaieté de cœur, croyez-moi. J'ai pas d'autre solution. Mais je sais pas, moi, ton banquier, te ferait peut-être un prêt. Oh, il couvre déjà mes découverts, alors... Bon, et la cousine, elle serait d'accord pour t'aider? Elle est un peu réticente, mais bon, je pense que je vais arriver à la convaincre. Bon, attends, si je comprends bien, il faut qu'on la caresse dans le sens du poil. Disons qu'il vaudrait beaucoup mieux ne pas trop la contredire, la contrarier. Maman, elle peut pas la supporter. Ah oui, mais ça, je peux rien lui dire à ta mère, hein. En tout cas, tu peux compter sur nous, si on peut t'aider, bah, dis-le nous. Bon, bah, merci les enfants, merci, je vais me débrouiller. Mais la cousine Gilberte, j'en fais mon affaire. Hein. Par contre, l'inspectrice des impôts, la Nathalie Leroux, alors là, ça c'est une autre histoire. Hein. Oh, chut, voilà votre mère. J'ai interrompu votre conversation? Ah, non, pas du tout. Thibault était en train de nous parler de son stage. Oui. Oh non, pas encore Tournier! Et pourquoi ce serait lui? Non, je réponds. Ah oui. Allô? Je vous le passe. C'est Tournier! Qu'est-ce que je te disais? Quelle intuition! Allô, Tournier?
Oh non! Encore? Moi qui voulais être tranquille à la maison aujourd'hui. Vous êtes sûr, vous pouvez pas vous passer de moi? Bon, mais dans ce cas... Il a besoin de toi, sans doute. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? Il est incapable de prendre des décisions. Tu n'as qu'à le virer. Ah bah non, bah non. Non, je peux pas faire ça. Il a que son métier dans la vie. Si je le virais, il en ferait une dépression nerveuse, ou même pire, un geste malheureux. Ah non, 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 qu'est-ce que tu veux? Il faut que j'aille au bureau cet après-midi. J'ai pas le choix. Mais on a toujours le choix. Et le principal est de faire le bon. Oui, bah écoute, hein, je fais ce que je peux, je fais pas ce que je veux. Oh, hein. Heureusement que tu es ton propre patron. Sinon, qu'est-ce que ce serait? Bon, bah écoute, hein, des réflexions comme ça, hein, tu peux te les garder. Hein. Bon, ça va. Hein. On voit bien que c'est pas toi qui as tourné à gérer. Bon, poupoun, hein, c'est bon. Oh, non, mais... Pauvre papa, il est complètement coincé. Ah, je me demande comment il va s'en tirer, tiens. Il faut amadouer la cousine. Oh, j'ai une idée. Je vais lui cueillir des fleurs. Bah, les femmes aiment les fleurs. Et elle, quelque part, c'est quand même une femme, non? Bonne idée. Où est papa? Il est allé faire un tour en attendant que je me calme. Ça, c'est un comble! Maman, oh. Papa a beaucoup de soucis en ce moment. Il faut pas lui en vouloir. Ah oui, le sacro-saint travail. C'est tellement pratique. Les hommes nous manipulent comme des pantins. Ils ne font que ce qu'ils veulent et nous, on subit. Excuse-moi, mais hier, tu m'as dit le contraire. Que c'était nous, les femmes, qui les menions par le bout du nez. Oui, en fait, ils nous font croire qu'on les dirige. Finalement, ils sont peut-être plus malins qu'on ne le pense. Ma chérie, tu veux bien me rendre un service? Lequel? Emmène la cousine quelque part, j'ai vraiment besoin de respirer. Je veux bien, moi, mais où? C'est toujours... Oh, des fleurs! Moi qui suis allergique au pollen! Oh, décidément, hein! Oh, on m'en aura fait voir dans cette maison, déjà que j'ai du mal à supporter toutes ces plantes, là! Ouais, je suis désolée, je pensais vous faire plaisir. Oh, tenez, mettez ça à la poubelle. Oh. Oh. Bon, il va falloir qu'on m'emmène en ville. Parce que j'ai besoin de quelque chose pour mon confort personnel. Surtout qu'ici, rien n'a été fait chez... Rien n'a été fait pour que je me sente vraiment comme chez moi, alors... Quand on va être comme chez soi, on y reste. C'est de l'humour, ça, hein? Chère cousine Gilberte, justement, je pensais qu'on pouvait aller faire une petite promenade toutes les deux. Ah, bien volontiers. Allez m'attendre dans la voiture. Juste le temps pour moi de prendre mon sac et j'arrive. Allez, je viens avec vous. Ah, mais je serais ravie de vous accompagner. J'ai horreur d'attendre. Non mais, vous êtes malades tous les deux ou quoi? Tu devrais être un petit peu plus gentil avec la cousine. Non mais tu plaisantes? Tu avais son air revêche et le ton sur lequel elle nous parle et mes fleurs de mon jardin aux ordures. C'est pour cacher sa timidité. Écoute maman, tu prends tout ça trop à cœur. Il faut relativiser un peu. Oh, tu parles comme Julien maintenant. Oui, oui, bah là c'est lui qui a raison. Ça sert à rien de se mettre dans des états pareils. Tiens, ça c'est l'adjudant-chef Gilberte qui s'impatiente. Allez ma chérie, le devoir t'appelle. Allez, fais-moi plaisir. Profites-en pour te relaxer un peu. Me relaxer. Alors que mon mari a deux maîtresses et que Tournier le couvre. Oh! Mais j'ai une idée. Allô, Tournier? C'est Françoise Rivet. Voilà, je vous appelle de la part de mon mari. Il faudrait que vous veniez récupérer un trousseau de clés à la maison. Ah, ça, je ne sais pas, mais il a dit que c'était urgent. Pourquoi, vous êtes où? Vous êtes à 5 minutes. Parfait. Non, mais vous ouvrirez l'agence un peu plus tard. Ce n'est pas grave. Ah oui, il a été très clair. Il faut que vous veniez tout de suite. D'accord, mon petit Tournier? Merci. L'heure de la vengeance a sonné. Bon, alors, Gigi et Maurice ne vont pas tarder maintenant. Et moi, en tenue de combat!
tu es là? Ah, où est-ce qu'elle est, bon sang? C'est pas possible. François, c'est nous. Oh, tu es là, enfin. Oh, si tu savais. Oh, la fille d'hier, c'est pas la seule. Attends, il faut que je te dise. Tu te rends compte, il y en a une autre. Non, mais c'est que là, il y a comme un petit problème. Et puis attends, le scoop du siècle. Tournier le court, il lui sert d'alibi. Attends, il faut absolument que tu m'écoutes. Oh, mais j'ai une idée géniale. Mon mari a deux maîtresses, parfait. Eh bien, moi, j'aurai deux amants. Maurice et ce cher Paul Tournier. Cocufié par son complice. C'est pas un bon plan, ça? Faut d'abord que je t'explique. Et dis, et ma tenue, qu'est-ce que tu en penses? Hein? Oui, c'est bien, mais là, c'est pas le moment, en fait. Pas le moment, tu plaisantes? D'abord, Hubert ne va pas tarder à revenir, maintenant. Oh là là, j'ai hâte de voir la tête qu'il va faire. Au fait, il est où, Maurice? C'est justement de ça dont je viens de parler. Il n'est pas avec toi? Mais si, il attend dehors. Dehors, mais enfin, mais pourquoi? Mais fais-le entrer, voyons. C'est que tu risques d'avoir comme un choc. Parce que moi, j'en ai eu un en le voyant. Oh, il a beaucoup changé. On peut dire ça comme ça un peu, mon neveu. Oh, peu importe, fais-le entrer. Allez. T'es vraiment sûre? Oui, maintenant je suis en tenue. Parce que tu y tiens. Tu peux venir. Bonjour madame. Maurice? C'est toi Maurice? Oui c'est moi. T'aurais reconnu les yeux fermés. Et tu peux m'appeler Mauricette, c'est mon prénom désormais. Mais alors? J'ai voulu te le dire mais tu m'as pas laissé en placer une. Maurice? Mauricette. Oui, alors Ginette m'a expliqué ce que tu attendais de moi. Bien sûr, je lui ai dit de te répondre non, que c'était pas possible, tu vois bien. Mais j'ai pensé que je devais avoir le courage de venir te dire en face pourquoi je ne pouvais pas t'aider. Mais alors, ma vengeance, tout est fichu? Mais j'aurais voulu tellement te rendre service, ma poule. Et moi qui ai acheté ça, alors, c'est pour rien? Oh, c'est beau! C'est de la soie? Du satin. Enfin, une sorte de satin de soie. Mais la dentelle est fait main, ma petite dame. Oh, c'est d'une finesse. Une pure merveille. Ma chérie, tu es magnifique. Et l'association du rouge et du noir avec ton teint, mais c'est tout simplement sublime. Oh, j'avais oublié celui-là. Mais j'ai une idée. Je suis sauvée. Bonjour, mesdames. Mais je vous en prie, mon cher Paul, entrez. Je ne voudrais surtout pas déranger. Mais vous resterez bien quelques minutes. Je suis venu pour les clés. Bien sûr. Asseyez-vous. Mais je ne faisais que passer, moi. Il faut que j'ouvre l'agence. Bien sûr. Le travail avant tout, n'est-ce pas? J'ai à cœur d'être un bon employé pour votre mari, vous savez. Mais je suis sûre que vous êtes un peu plus que ça pour Hubert. Je fais de mon mieux. Ça, je n'en doute pas une seconde. Vous êtes tout à son service. C'est tout à fait normal. Ouais. Et peut-être même souffrez-vous d'un excès de zèle de temps en temps, non? Je ne comprends pas. Je vais être plus clair. Mon mari vous demande de l'appeler à l'agence, car vous avez soi-disant des soucis à l'agence. Et vous le faites sans état d'âme? Mais comment osez-vous me faire ça? À moi, moi qui vous ai reçu tant de fois, moi qui vous ai offert un cadeau à chacun de vos anniversaires! Faites du bien à un vilain et vous faites dans la main. Oh. Ah, c'est ma mère Sophie qui disait ça. Mais quelle ingratitude! Mais je ne pensais pas que c'était si grave, moi! Je ne voulais pas vous nuire, je vous jure! Tournier, déshabillez-vous! Pardon.
Quittez votre pantalon, je vous dis. Ah, mais non, mais non. Ah, mais si, et à partir de tout de suite, vous êtes mon amant. Ah, mais je m'y refuse catégoriquement. Ah, non, non. Et puis d'abord, je peux pas. J'ai eu les oreillons, alors. Apparemment, les oreillons, ça rend couillon. C'est pas joli, joli de pas vouloir rendre service, hein. Surtout quand c'est demandé si gentil. Oh, hein. Hubert, Tournier, à poil. Oh, mais qu'est-ce que vous faites, mes dames, mais non, pas ça. Françoise, mais qu'est-ce que tu fais, Tournier? Vous, avec ma femme? J'y suis pour rien. Elles m'ont forcé, alors. Vous aussi, Ginette? Mais c'est quoi, ça? Non, c'est une amie. Elle s'appelle Morissette. Et c'est une être humaine comme les autres. Mais c'est pas possible. J'ai pas pu me tromper depuis tant d'années. Autant, toi, avec Tournier, et ta copine, et avec un travelot en plus. Oh, monsieur, vous m'insultez. Je suis une femme à part entière. À qui vous voulez faire croire ça? Avec votre voix de camionneur, vos mains comme des battoirs et votre 45 fillettes, là. Oh non, mais dites-donc, vous, faut pas vous gêner, hein. Alors vous, pompouze, hein, je vous conseille de vous taire. Non, mais chacun trouve son plaisir où il veut, et tu en sais quelque chose, Biquet. Non, mais t'as perdu la tête, c'est la ménopause qui te travaille ou quoi? Oh, c'est tellement facile de me traiter de folle. Pourquoi? Ma tenue te plaît pas? C'est pourtant excitant, le rouge et le noir, non? Mais je peux pas y croire, mais enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Alors vous, Tournier, hein, si je m'attendais à ça... Oh ben, et moi, je demandais rien à personne. Je demandais rien à personne, elles se sont jetées sur moi, hein. J'étais juste venu chercher les clés, moi. Mais quelles clés? Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Vous prenez pour un imbécile ou quoi? Ah non, mais pourquoi tu me fais ça, bon sang? Je suis atterré. Tu vas faire le plaisir d'enlever cet accoutrement et de renvoyer ces deux hystériques. Mais Tournier, on va s'expliquer à l'agence. Et quand je reviendrai, il faudra qu'on s'explique. Tournier, c'est par là la sortie. Oh, si j'aurais pas vu, moi. Tu as vu le regard qu'il m'a lancé? Tu t'es vengé, c'est le principal, il n'a que ce qu'il mérite. Oui. Non, mais regarde dans quel état ils me l'ont mis. Oh là là, ne pleure plus, Morissette. Oh, je devrais avoir l'habitude. On m'a tant de fois insulté, humilié. Je suis désolée. Et toi, ton mari, t'as pas vu? Il n'a pas dit qui est-ce? Il a dit c'est quoi ça? Et ça, eh ben, c'est de moi dont il parlait. Oui, mais il était très en colère et très surpris aussi. Mais c'est quand même pas de ma faute si la nature s'est trompée. J'ai peut-être un corps masculin, mais à l'intérieur, je suis une femme, une vraie femme. D'ailleurs, quand j'étais petit, je regardais avec envie les filles qui jouaient à la poupée. D'ailleurs, ben moi, à Noël, j'en voulais une. Et je ne voulais que cela. Et ben, vous auriez vu la tête de mon père lorsqu'il a vu ce que j'avais marqué sur ma feuille pour le Père Noël. Il m'a mis le gifle, mon Dieu, à me dévisser la tête. J'ai fait 3 tours dans mes chaussettes en touchant l'élastique. Et il m'a dit, tu n'as pas honte, sale petit vicieux? Ben, moi, je comprenais rien. Ce que je savais, ben, c'est que ma joue, elle me brûlait atrocement. Et cette brûlure, eh ben, je la ressens encore. Merci. Et plus tard, eh ben, cherchez pas à comprendre pourquoi j'enviais si secrètement les filles avec leurs talons hauts, leur rouge à lèvres et leur vernis. Et puis un jour, je me suis avoué ce que je savais depuis toujours et que je n'avais jamais voulu dire à quiconque, et surtout pas à mes parents. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils en disent? Eh bien, j'ai attendu qu'ils ne soient plus de ce monde. De partout. Et j'ai pu enfin devenir Morissette. Et tu sens mieux maintenant que tu t'habilles en femme? Alors toi aussi, tu crois que je suis un travesti? Non, je ne sais pas. Je ne t'en veux pas, va, je ne t'en veux pas. Oh, ben, c'est que c'est pas trop notre domaine en même temps. Vous savez, les filles, j'en ai vu des médecins, des psys, des chirurgiens pendant 2 ans. Ça a été un long parcours, long et douloureux.
Est-ce que tu as été opéré? Mais bien sûr! Je ne suis ni un homo, ni un pervers. Je suis une femme emprisonnée dans un corps d'homme. J'ai pris des hormones pour avoir de la poitrine. Ah bon? C'est des vrais? Mais oui, tu peux toucher, hein. Et toute ma vie, j'aurai un traitement. Surtout pour plus avoir de poils dans le nez, dans les oreilles, ça fait pas féminin. Mais jamais je ne pourrai réduire ni mes mains, ni mes pieds, ni même changer le regard des gens sur moi. Les femmes, eh ben, elles me considèrent pas comme l'une des leurs. Et puis ben, les hommes, eh ben, ils me traitent d'homo. T'as comme qui dirait le cul entre deux chaises. Gigi, tu vas te taire à la fin. Mais elle a raison, elle a raison. Ma grande carcasse ne sera jamais à l'image de la femme si fragile qui est en moi. Oh, mais tu possèdes le plus important, la délicatesse, la sensibilité, la loyauté. Alors ne tiens pas compte de ceux qui ne s'attachent qu'à l'apparence physique. Ils sont stupides, futiles, et tu ne gagnerais rien à les fréquenter. Non, ce qui compte, c'est le cœur et pas l'enveloppe. Et toi, tu as toujours su écouter, consoler. Alors ne laisse personne te blesser davantage, tu m'entends? Personne! Oh, merci, les filles, merci. Elle a dit tout comme je pense. Oh, merci, c'est gentil, les filles, merci. Oh là 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 là, c'est bon d'avoir des copines. Ouais, allez, Gigi, emmène notre copine dans la salle de bain, là, il faut arranger tout ça. Allez, Morissette, ravalement de façade. On a bien besoin. Ouais, bah, il y a quand même du boulot, hein. Eh ben, moi, je n'ai plus qu'à aller me changer. Oui, c'est pourquoi? Madame Rivelle, puis-je entrer? Oui, je vous en prie. Excusez ma tenue. Ce n'est pas le plus important. Je m'appelle Nathalie Leroux. Enchantée. Avant tout, je précise que votre mari n'est pas au courant de ma démarche. Mais je tiens à vous informer des rapports que j'ai avec lui, parce que j'estime que vous avez le droit de savoir. Après tout, vous aussi vous êtes concernée. Ah, parce que c'est vous qui l'a eu au téléphone ce matin? Oui, tout à fait. Et vous osez venir ici, chez moi? Ah, il n'a pas le courage de vous parler. Alors il faut bien que je m'en charge. Comme je vous l'ai dit, j'estime que vous êtes concerné au même titre que lui. Vous ne manquez pas d'air. Vous vous pavanez devant moi et vous me narguez dans ma propre maison? Madame, je vous en prie, gardez votre sang-froid. Mais même si je le voulais, je ne pourrais pas. Il bouillonne mon sang, figurez-vous. Et vous êtes la deuxième à me faire ce numéro. Ce n'est pas possible, vous vous méprenez. Je suis la seule sur cette affaire. Quoi? L'affaire, c'est mon mari? L'affaire, c'est mon mari? Alors là, trop, c'est trop! Tu vas payer pour l'autre! Espèce de traînée! Je sais pas où il t'a trouvé, mais je sais où tu vas te retrouver quand j'en aurai fini avec toi! Espèce de gars! Mais vous êtes folle? Ouais! Ah oui, je suis folle! Espèce de traînée! Ah oui, il est riche! Espèce de gars! Ah, tu vas en payer! Courageuse, ma chérie. Tu me tiens au jus, hein. Enfin, tu me tiens au courant. Hein. Au revoir. Oh. Oh, bah, je comprends pourquoi vous n'êtes pas choquée par l'attitude de ce Marcelin à mon égard. Qu'est-ce que vous voulez dire? Cela vous excite, sans doute. Précisez votre pensée. Bon, bah, écoutez, il n'y a qu'à vous regarder, hein. Et avoir l'allure de vos copines, là. Et cette chose-là, gros texte, hein, pour se faire tout de suite une idée sur votre moralité. Oh. Vous ne voyez que ce que vous voulez voir.
Vous ne jugez que sur les apparences. Et vous prêtez à ce pauvre Marcelin vos propres pensées inavouables. Oh, mais je n'ai pas de pensée impure, moi. J'ai la foi. Je vais à la messe tous les dimanches, ma chère. Je fais les Pâques et les Rameaux. Et maigre le vendredi. Ah oui, vous avez bonne conscience parce que vous allez à la messe tous les dimanches et que vous mettez quelques pièces dans la corbeille à la quête parce que vous faites brûler un cierge le 15 août. Et vous appelez ça avoir la foi. Mais avoir la foi, c'est faire preuve de compassion envers ses semblables. C'est avoir la générosité du cœur. Oh, bien sûr, tout le monde ne peut pas se faire appeler Mère Teresa, Sœur Emmanuel ou l'abbé Pierre. Mais chacun à son niveau a le devoir de regarder autour de lui. Et parfois, il suffit d'un petit geste, d'un sourire, pour redonner un peu de chaleur à ceux qui sont dans la peine. Mais vous ne montrez que du mépris et de la suffisance. Et ce n'est pas parce que vous vous lavez à l'eau bénite et que vous vous parfumez à l'encens qu'il faut vous prendre pour la Sainte Vierge. Oh, ça va, oui. Nathalie Leroux, ça te dit quelque chose? Oh mon Dieu, mademoiselle Leroux, elle est venue ici! Mais arrête avec tes mademoiselles Leroux! Mais où est-ce... Puisque je te dis que je suis au courant de tout! Mais où est-ce qu'elle est? Elle soigne ses blessures dans la salle de bain! Ses blessures? Oh. Non mais tu n'as rien trouvé de mieux que de lui sauter dessus et de la brutaliser, de la chicorer! Mais tu te rends compte de ce que t'as fait? Parfaitement! Mais les conséquences, est-ce que tu y as pensé aux conséquences? Oh, je n'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas l'avoir achevé! Non, enfin, t'as vraiment perdu la tête! Tout à l'heure, je te surprends dans une position que je préfère ne pas qualifier. Ensuite, tu emploies la ruse pour entraîner ce pauvre tournier dans une de tes dépravations de ton esprit malade. Et maintenant, j'apprends que tu as passé mademoiselle Leroux à tabac. Elle a payé pour l'autre. Mais quel autre? Mais celle qui est venue hier. Quoi? Putain. Oh, ben la voilà. Plus on est fou, plus on rit. Mais par là, vous. Tu vas peut-être me dire que tu ne la connais pas. C'est la première fois que je vois cette personne. Mais fais un petit effort, Piquet. Mais je te jure que c'est la vérité. Bon, dites à Piquet qu'il est inutile de mentir plus longtemps. Non mais c'est pas mon Piquet ce monsieur, hein. Quoi? Vous fichez de moi? Vous êtes venu hier là pour me révéler votre liaison. Mais puisque je vous le dis, pourtant je me suis pas trompée, hein. Regardez, c'est bien vous là sur la photo. Mais oui, c'est moi. Bah alors, vous êtes bien la femme de mon Piquet. Alors, mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Enfin, qu'est-ce que tu fais là? Ah, te voilà. Mais tu vas me répondre, pourquoi tu es ici? Mais je suis là pour nous. C'est la force de l'amour. Je suis venue te sortir des griffes de ta femme. Et tu sais quoi? Elle est même pas malade. Elle simule. Je suis effarée. Attendez que je comprenne bien. Votre amant, c'est mon fils? Ah, parce que vous êtes sa mère? Thibault, tu me dois des explications. Ah oui. Ouais. Papa? Maman? Ouais. Ah, je vous présente ma copine, Fanfan. Oh, mais c'est génial! Mais t'es pas mariée en fait! T'es libre! Mais pourquoi tu m'as menti? Non, dis rien. Tu m'aimes tellement que ça t'a fait peur? Oui, c'est ça. Fallait pas. Viens, Fanfan, je vais t'expliquer. Alors, tu as cru que j'avais une liaison avec cette fille, mais c'est insensé. Mais elle est venue me dire qu'elle était la maîtresse de mon mari. Mais comment as-tu pu penser une seconde que je te trompais? Bon, d'accord. Thibault lui a menti, d'où son erreur et moi ma confusion. Mais l'autre, là, à côté, tu vas pas me dire que tu ne la connais pas. Oh mon Dieu, mademoiselle Leroux, j'ai oublié ça. Mais arrête avec ton cinéma. Mais enfin, elle est inspectrice des impôts. Je me fous de sa confession. Tout ce que je vois, c'est qu'elle m'a menti. Ça, c'est tout. Mais enfin, tu comprends pas. Je suis victime d'un contrôle fiscal. C'est elle qui s'occupe de mon dossier. Je voulais pas t'en parler pour pas t'inquiéter. Oh, Hubert, qu'est-ce que je fais? Mais moi qui lui ai sauté dessus. Bah oui. Monsieur Rivet, je vous convoquerai très prochainement. Inutile de dire que l'attitude de Madame Rivet va peser lourdement dans la balance.
suis désolé, mon épouse a cru que vous étiez ma maîtresse. C'est un énorme malentendu. Oh oui, je suis désolée, mademoiselle Chicouré, mademoiselle... Je suis confuse. Oh, comment me faire pardonner ce petit accès de mauvaise humeur? Oh, bien sûr, je vous rembourserai votre tailleur. Je veux bien croire qu'il y a eu de votre part erreur sur la personne. C'est pourquoi je ne porterai pas plainte. Merci. En revanche, j'ai l'intention de procéder à un contrôle fiscal très complet. Et je peux vous assurer que le redressement sera à la hauteur de celui-ci. Vous recevrez très bientôt la date de notre prochain rendez-vous. Merci. Je vous conseillerai de vous munir de tous les documents et factures nécessaires, car je serai sans concession. Je ne vous salue pas. Hubert, qu'est-ce que j'ai fait? Je me moque pas mal de nos problèmes financiers. Hein. Le plus grave dans toute cette histoire, c'est que tu n'as pas eu confiance en moi et qu'apparemment tu as trouvé d'autres partenaires pour t'amuser un peu. Oh non, c'est faux, je t'aime, je te le jure. Ouais. Mais mets-toi à ma place quand cette fille, enfin cette fanfan est venue me dire toutes ces horreurs. Moi, ça m'a rendue folle. Et j'avais tellement mal, je voulais que toi aussi tu souffres. Alors avec Gigi, on a imaginé. Mais viens, je vais tout expliquer, puis je vais aller me rhabiller. Oui, mais moi je vais te dire pourquoi j'ai invité cousine Gilberte. Mais tourne un peu là. Tu sais que tu es craquante dans cette tenue, hein? Oh, Hubert! Oh, voici Lise. Bonsoir. Vous êtes Fanfan? Eh, on peut se tutoyer. On va être belle-sœur. Ouais. C'est pas vrai, Thibaut, vous allez vous marier? Ah bah écoute, c'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui est prêt à soulever des montagnes pour vous garder. Non, c'est vrai, mais félicitations, je suis tellement heureuse pour vous. Oh, et puis tu sais, je suis sûre que ça va s'arranger entre les parents. Bah, en tout cas, il faudra que je présente des excuses à ma future belle-mère, parce qu'hier, je lui ai lancé quelques bonnes vacheries quand même. Oh, t'en fais pas pour ça, elle a un cœur en or. oui, allô? Oui, monsieur, oui, c'est moi. Non. Mais c'est formidable. Ah bah oui, ça je vais lui dire. Ah bah il va être ravi. D'accord. Lundi 9h. Entendu. D'accord. Oui, merci. Oui, bon week-end à vous aussi. Au revoir. Oh yes. Oh, c'est pas croyable. Quoi? C'est Tournier. Oh, Tournier. Morand. C'est Morand. Oui, d'accord. Qu'est-ce d'appeler. Qu'il voulait? Il vient d'appeler. L'ensemble des maisons du lotissement va être confié exclusivement à l'agence de papa. Il est très content de mon travail. Il a décidé de collaborer avec lui. C'est pas vrai, mais c'est génial. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle, mon Michael. Mais c'est une excellente nouvelle. Tu vas avoir un mariage digne d'une princesse. Papa est sauvé, tu te rends compte? Plus de problème d'argent. Ah, ouais. La belle vie. Ouais. Inutile d'insister. Je ne resterai pas une minute de plus dans cette maison. D'ailleurs, le taxi que j'ai appelé ne va pas tarder à arriver. Voyons, Gilbert, je t'en prie. Bon, c'est pas la peine d'assister. J'en ai assez vu et assez entendu. Mais non, enfin, tu sais ce dont nous avons déjà parlé pour l'agence, tu sais. Bah, n'y pense même plus. Tu n'auras pas un centime. C'est de ma faute. J'ai voulu plaisanter et je vous ai vexé. Je n'aime pas votre humour. Je n'aime pas votre cuisine. Et je n'aime pas tout le reste, là. Je vous promets de tout faire pour que vous vous sentiez à l'aise. Vous pourriez même me donner quelques conseils de diététique, par exemple, ou de... N'insiste pas, chérie. Gilbert veut partir. Eh ben, qu'elle s'en aille. Non, non, c'est son choix. Hein. C'est ce qu'elle désire, n'est-ce pas, Gilbert? Certes. Certes, mais enfin, si on me suppliait de rester. Mais alors, vraiment supplier, hein? Alors peut-être que je pourrais revenir sur ma décision et prolonger mon séjour de quelques jours. Ah non, c'est ton choix et nous le respectons. Oui, ce serait égoïste de notre part d'insister. Oui. Bien. Alors je m'en vais alors. Oui, c'est ça, et nous te souhaitons un bon retour. Ah, ben, d'ailleurs voilà le taxi. Oh, ben, je porte vos valises. Oui, bon, bah écoutez... Je m'en vais, alors c'est pas la peine d'essayer de me retenir, hein. Nous l'avons bien compris. Oui. Allez, les filles. Allez, les filles, c'est par là. Merci. Ne t'en pas attendre le chauffeur. Oui, allez, on y va. Ah, au fait, Gilbert. Oui. Je voulais vous dire,
Oui, vous avez le cœur aussi sec qu'une pomme de pin. Comme ça, vous partez. Au revoir, mademoiselle Gilberte. Ah, faudra que je pense à ma doucette. Mêlais-tu? Mais oui, je le suis. Oh, grand fou, tu vas gagner. Oh, tiens, je te donne mon adresse. Et quand tu viendras chez moi, je serai tienne. Ah non, ça va pas être possible. Non. Ah non, faut pas exagérer quand même. J'ai rien demandé, moi. Avec Claude. Solène. Jeannot. Charlotte. Michel. Jacqueline. Linda. Antoine. Lucie. Gilda. Et Chantal. Christian, Rémi et Lisa. On peut les applaudir. Notre aide-mémoire, Liliane. Un grand merci à tous nos bénévoles sans qui ces spectacles ne seraient pas possibles. Merci. Mille merci à eux. Les décorateurs, il y avait Jean-Claude, Jean-Paul, Gérard Bis et les autres. On peut les applaudir. Merci aux troupes amies qui viennent nous voir régulièrement. Donc je crois que ce soir dans la salle, il y a deux troupes, Malville et Saint-Malo. Bravo. Remerciements également à nos partenaires qui nous suivent depuis de nombreuses années. Alors, le Crédit Mutuel, le Super U de Montoire, le Garage AD et bien d'autres. Et la mairie de Montoire, bien sûr, avec une mention spéciale pour le Centre Technique de la ville de Montoire qui a bien su honorer nos demandes. Merci. Dernier remerciement, c'est vous, public. Merci. À la prochaine.